Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Resident Evil Révélation live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! J'en avais mis du temps. Et au moins on est là. Quoi de neuf sur Veltro? Parti pour la descente aux enfers. C'est un jeton de sécurité. Ça veut dire qu'on peut récupérer les données du cargo. Qu'est-ce que c'est? Chef, vous avez des nouvelles de Jill et Parker? Leurs recherches les ont menées en pleine mer. Mais nous avons perdu toute trace du bateau. Ici Jackass! J'ai les coordonnées du bateau. Je vous les envoie. C'est tout prêt. Ici Chris, j'ai reçu les coordonnées. On n'a plus beaucoup de temps. Bon sang. Ryan, on y va. Resident Evil Révélation. Épisode 6, le chat et la souris. Continue. Passage de la cale. Je trouve pas du tout où ça pourrait être. Si peut-être. Ah, c'est là? Ah, oh, tabarnak! J'ai pas vu ce qu'il y a été là-bas pour respirer. Ah ouais, que c'est ça? Ah
Et voilà. Bon. Ça continue de monter. Le courant est revenu. On peut laisser une cloison dans la salle de contrôle. Bon, là on voit qu'il y a un point rouge sur la... On voit qu'il y a un point rouge sur la carte, on se dit... Ah, t'es con. Trompe de bouton. Le courant est revenu. Utilisons-le. Ok. Ça ira pour l'instant. Vérifie le système de contrôle. Chose qui va pas bien sur le toit. Merde, j'ai pas de signal. L'antenne est peut-être débranchée. Elle est sur le pont d'observation. On peut peut-être la réparer. Je suis sûr que la vue est super. Ouais, moi aussi. Allons-y. D'observation. On peut grimper là-haut depuis le hall. Bon, allons voir qu'est-ce qu'il y a par là. Ça a marché. L'eau continue de
C'est bon, la cloison est fermée. On doit attendre. Et voilà, de terminer. Pour remonter. Non, on est sur le Quincy Miramis. Quincy Miramis. C'est Chris. Ok, bon. D'après les recherches de Quint, il y a deux bateaux. Vous devez être sur le navire jumeau du Queen Zenobia. Jill et Parker sont sûrement prisonniers sur ce bateau. Vous avez pu le localiser ? Non. Mais mes meilleurs agents y travaillent. Il s'est pas écoulé beaucoup de temps, non ? Exact. Qui sait, les deux bateaux voyageaient peut-être encore ensemble il y a quelques heures. Fouillez la zone. Vous les trouverez peut-être. Bien reçu. Tirons pas sur le bon bateau, c'est pour ça. Explication. Qu'est-ce que tu cherches? Bon. Ah bah ouais, bizarre.
Ouais, ici, au moins, c'est des escaliers qui montent. C'est vraiment le tout début, là, je me trompe pas. Un langue n'est pas bon. Et voilà. Là, on descend, c'est pas ça que je veux. Je pense qu'on n'a pas été à la bonne place du tout. On s'est juste enfermé. Mais on ira le plus près. Excellent. Bon, on est vraiment pas dans le bon sens. Revenir sur nos pas. Ben, quel...
ça va où c'est. On va le voir par là, on sait jamais. Ici, c'est un escalier pour descendre, Fernie. Strictement pas au bon endroit. Bon. On va prendre l'ascenseur pour monter. Pour descendre, je suis sûr. L'ascenseur serait ici. Bon, on utilise l'autre porte. C'est un escalier en fait. Et là, est-ce qu'on va pouvoir remonter à partir de là? Ils n'ont pas donné signe de vie depuis cette vidéo. Dépêchons-nous d'atteindre le pont d'observation et de contacter le QG. J'espère qu'ils ont au moins une idée d'où se trouve Chris. Cherche un à l'autre, c'est ce qui est fou.
Oh. Tu as entendu? Ouais, ça fait peur. Par ici, Jill. On monte. Parfait. On peut rejoindre le pont d'observation. Rien. Ouais, hein. Qu'est-ce que... Il y a un truc là-haut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, oh, bah c'est le temps, moi j'avais plus de balles. On peut sortir. C'est quoi ce monstre? Ça y est, on est arrivé. Et il fait nuit noire. Alors y a rien à voir. Tourne en boucle.
Tu arrives à faire plus. Thank you.
Il y a plusieurs parties. Ah bah ouais, déjà. Espèce d'abominable saloperie. Oh, quelle nuit de merde. L'antenne est tout là-haut. On y va. La carte d'accès va être aussi bien la carte rouge. On a la demande de Veltro. Nous allons enfin mettre notre ultime plan en exécution. Il a été mis au point par Jack Norman, notre chef et frère d'armes. Quand il nous l'a exposé pour la première fois, nous avions des doutes, mais l'heure est venue. Appliquer ce plan extraordinaire grâce à la volonté de fer de nos camarades et de celui dont le pouvoir et l'affluence ont rendu tout cela possible. Il a préparé ses navires pour nous. Ces paquebots de luxe sont le symbole de la déchéance de l'humanité. Ils seront de parfaits porteur pour le virus qui va purifier l'humanité. On va confier la noble mission d'aborder le Queen Zenobia, Bernard Corti. 2004, 12 heures avant le début de la mission, mon corps est parcouru de tremblements incontrôlables. C'est peut-être
L'excitation, la peur ou les deux d'étranges organismes biologiques engendrés par le virus parcourent le labo secret de la cale. Le virus se dissout dans l'eau, qui, quand la boit, se transforme en monstre. L'arme biologique Hunter est infectée hors site et se chargera de répandre le virus sur la terre de ce temple de la décadence. Si la cité flottante deviendra bientôt le véritable enfer, nous devrons créer l'enfer sur terre pour que les gens s'ouvrent. Enfin, les yeux, ce sont les mots de Normand. Si notre mécène griffonnant croit en Normand, alors nous, ses serviteurs, le devrons aussi. Bernard Corti. L'air frais, ça fait pas de mal. J'avoue. Si j'avais su ce qui nous attendait sur ce bateau. Ouais. On n'a pas arrêté de se battre pour rester en vie. J'espère qu'on pourra faire une pause après avoir contacté le QG. Je vérifie le câblage de l'antenne. Un petit puzzle. Normalement, j'ai pas trop de difficulté avec ça. Facile. Ça devrait fonctionner. Je vais essayer. Espérons que ça marche. Ici Vermillon, quartier général, vous me recevez? Ici O'Brien, vous allez bien? On a réussi. Chef, ici Parker, c'est la merde ici, c'est vraiment le bordel. Je sais, c'était un piège et nous sommes tombés dedans. Comment ça? Comment ça un piège? Chef, il se passe quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Répondez-moi! Restez en contact, j'ai un appel en urgence. Non, chef! Directeur O'Brien, nous avons reçu un appel d'urgence de l'ESF. Ils ont détecté un mouvement satellite. La force de sécurité européenne? Continuez. Oui, monsieur. Apparemment, le complexe d'énergie solaire de Terra Grigia est en cours d'activation. Alors ça y est, c'est parti. On dirait que quelqu'un a trouvé le Queen Zenobia. Alors, vous n'avez pas changé. Parker! QG! Qu'est-ce qui se passe? Le ciel va vous tomber sur la tête. Le complexe d'énergie solaire a été réactivé. Il vise les repères de Veltro en Méditerranée. Et ce sont les bateaux de croisière. Les satellites qui ont détruit Terra Grigia. Juste au-dessus de nous. Ils peuvent pas ignorer l'ultimatum et détruire le navire. Chef! Faut nous faire évacuer. Désolé. Mais je ne peux pas autoriser ça. Le chat et la souris.
Pas juste à dire de me commando débloquer. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Resident Evil Révélation live sous la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!